un point d'écart entre l'AC Ajaccio 13e et le Gazélec Ajaccio 17e. C'est l'heure du derby. Et les deux équipes sont dans la deuxième partie du classement. Il faut donc obtenir un bon résultat. L'AC Ajaccio est plutôt en confiance avec 4 points sur les deux derniers matchs. Une seule défaite sur les 6 dernières rencontres. La première offensive est pour l'AC Ajaccio. La deuxième également avec cette reprise de la tête victorieuse de Ghislain Gimbert à la 38e minute. Le troisième but de cette saison de Gimbert. L'impression générale de ces dernières semaines est confirmée. L'AC Ajaccio est devant. Hervé Della Maggiore, le nouvel entraîneur du Gazélec, voit que son équipe est en difficulté, mais au bout de la première période, les gaziers se réveillent. Une première offensive suivie d'une autre avec cette reprise de la tête victorieuse d'Ousseï Nouba pour l'égalisation. On est au bout des arrêts de jeu de cette première période. Ça fait un but partout. Premier but en Domino's League 2 pour Ousseï Nouba. Un but partout à la mi-temps. Le Gazélec va mal sur 3 défaites de suite sans avoir marqué le moindre but. Ce but d'Ousseï Nouba fait donc beaucoup de bien. Il n'y a eu qu'un point pris sur les 6 dernières rencontres. Mais en seconde période, les gaziers sont mieux avec ce coup franc et le ballon qui traîne dans la surface. Dominique Guidi réussit à se retourner pour marquer le but du 2-1. 67e minute. Guidi est le plus malin pour inscrire son deuxième but de la saison. Et le Gazélec Ajaccio a renversé le match. L'AC Ajaccio était bien jusqu'à l'égalisation de bas juste avant la pause. Ce but a fait du mal et en seconde période, les gaziers sont bien mieux jusqu'au point de remporter ce derby. 2-1 sur le terrain de l'AC Ajaccio.